Il est minuit, passé de plus de 30 minutes hein, sur Sud Radio. La nuit de la primaire des jeunes. La nouvelle génération prend l'antenne de Sud Radio. Et tout de suite, on fait un dernier point sur cette soirée électorale. Les résultats, les réactions, c'est avec vous Maxime Martinez. Minuit et demi, François Fillon a remporté ce dimanche soir la primaire de la droite et du centre et sera candidat à l'élection présidentielle. Une victoire large, sans appel pour l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy. 66,5% des voix contre 33,5% pour Alain Juppé, qui a de fait rapidement reconnu sa défaite. Dès 21h, il a apporté son soutien à François Fillon et a annoncé se reconcentrer sur sa tâche de maire de Bordeaux. Après la primaire, la présidentielle avec un objectif pour le désormais candidat Fillon, rassembler son camp en adressant notamment un message d'amitié à son adversaire du soir, en face, à gauche. Alors que la guerre Hollande-Valls est à son paroxysme, on s'inquiète d'une victoire de l'ultra-droite, selon les dires de Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Et on sent monter les arguments de campagne de la gauche face à François Fillon, candidat de la droite.